We've been talking about Cheyenne and PlayStation. It's a different memories. Yeah, Groupama is like an F1 car compared to a NASCAR car. It's a Groupama is very elegant, very highly refined. Whereas the Cheyenne was just, you know, brute force, pushrod V8 engine, big, strong, heavy. Very different boats. But Cheyenne was a good boat for its day. Yeah, for sure. Everybody is good for his generation anyway. Absolutely. Okay, we let you have fun. Fred, on est retourné dans des conditions de navigation idéales. Là, ouais, pour le moins, ouais. Parce que la température idéale, le vent aussi. En fait, on est passé dans l'hémisphère sud. Après un passage de poteau noir hier qui a été un vrai passage de poteau noir, on s'attendait à passer comme une fleur et en fait, on a eu des jolis grains, de la flotte, des orages, des éclairs, de l'instabilité, du vent qui tournait complètement, parfois à zéro. Et puis depuis ce matin, ça se reconstruit tranquillement. C'est l'alizé de sud-est, quoi, tout simplement. Donc on est bâbord un mur, on fait du sud. À 70 degrés du vent sur une mer plate, donc ça permet d'exploiter le bateau dans tout son potentiel dans ces conditions-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, il y a 14-16 nœuds de vent, mais le bateau marche sans problème à 25 nœuds, 27 nœuds dans ces conditions-là, donc c'est un pur bonheur pour les barreurs. Et puis après, bah là du coup on s'enfile le long, on vise Fernando de Noronha quasiment, là, l'île qui est devant nous, et on va s'enfiler le long du Brésil, parce que l'anticyclone, qui malheureusement est un peu au milieu de l'Atlantique Sud, nous oblige à faire une route très ouest, passer le long du Brésil, aller parfois même certains routages, on va jouer quasiment dans les vents thermiques à terre, quoi. Donc c'est, bon, on n'ira peut-être pas jusque là, mais c'est assez rigolo. Et en espérant pouvoir le plus tôt possible faire du sud-est pour aller vers Bonne-Espérance, évidemment, qui est notre prochaine destination stratégique. Hein. Et donc voilà, là c'est une translation classique, c'est un peu comme la fin d'un parcours de, enfin, de parcours de Jacques d'Arbre, du coup, parce qu'on va vraiment aller le long du Brésil. Donc l'alizé de sud-est qui petit à petit adonne. Et on va débrider et accélérer progressivement. Là demain, dans la nuit et demain, on sera à 30 nœuds. Là, on est à 25. Quoi. Super, Fredo, merci. Je vous en prie, à bientôt.